Alors voilà la salle, je vous aime, vous salut. Qui ça? Voilà où ça vous mène. Mais Anna, notre fils,
cela avec du tulé qui pourrait nourrir les autres et chie du miel qui serait recyclable. Voilà la vérité. Voilà où nous en sommes. Oh, bah, qu'est-ce que tu fais? M'en cherche partout. Je parlais avec les... C'est tes amis? Mais non, c'est les... C'est les... Elle, c'est mamie. Elle est très vieille, elle connaît tout sur l'histoire du monde. Mais Henri, vous avez l'air tendu, ça ne va pas? Tout va bien, tout va bien. Mais mettez-vous là. Je vais chercher les autres. Pour qu'on en finisse au plus vite avec cette histoire. Putain, ce qui est chiant depuis ce matin. Je crois que c'est le faire pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez mis? Luc se voit contraint de vous annoncer le mariage de ses parents. Chaud la nuit, il fait froid. PS, pas de cérémonie, blablabla. Ah bon? Mais pourquoi contraint? Il y a encore un petit en route. Ah putain, non, j'espère pas. Ils m'ont seulement dit qu'ils voulaient se mettre en règle avec la loi pour nous protéger, nous les enfants, parce qu'ils savaient pas ce que l'avenir nous réservait. Et ben, 18 les parents. Pas surtout. Il dit que le monde va mal et est crise en ce moment. Mamie, pourquoi pas il est avec moi et tu... Pourquoi il n'a pas choisi une autre? Attends, qu'est-ce que tu veux dire, grand? Bah tu sais, pourquoi on aime quelqu'un et pas quelqu'un... Tu vois quoi? Pourquoi moi n'a pas choisi mieux? Ah bon, ça c'est une longue histoire. Ça a commencé avec les chiens. Les chiens? Eh oui. Et d'abord, sais-tu pourquoi les chiens se reniflent de l'arrière? Ne ris pas, c'est dramatique. Et les chiens? Eh bien, oui, c'est parce que le sang, un drôle d'étourdi, celui, quand il a fabriqué les chiens, juste un peu avant l'homme, il a décidé de procéder rationnellement pour une fois, et c'est là le plus grave, par série. Fini le bricolage, je vais m'organiser. Il prépara donc, quant à soigneusement numéroté, les pièces de gauche qu'il met à sa gauche, les pièces de droite qu'il met à sa droite, les pièces devant et le trou de balle derrière. Et il se mit à assembler. Et seulement, on ne dit pas que tout à son affaire, et bien il en oublia le temps dans son dos. Et quand il se retrouva avec sa série de chiens sans trou, il s'affola, car les numéros n'étaient désormais plus visibles. Comment retrouver le premier chien pour lui coller le trou par le miroir et ainsi de suite? Oh, fou de rage contre lui-même, il donna alors un grand coup de pied dans le tadanus, ce qui n'arrangea pas ses affaires, et ordonnant aux chiens de se présenter devant lui à l'un, il leur colla à chacun une pastille, au hasard, et s'en alla, les traitant de tous les noms. Oh, dépité, les chiens essayèrent bien de réparer son erreur. Mais comment faire? Et c'est ainsi que depuis cette nuit des temps, les chiens, ne se fiant qu'à leur flair, recherchent désespérément leur pièce d'origine en se reniflant les uns les autres. Et t'es certaine du rapport qu'il y a avec nous autres? Un peu, oui. Car le plus grave est, c'est que son nom, et quand il fit l'homme, ne retint pas la leçon. Et procéda comme pour les chiens. Seulement, c'est avec le cœur qu'il se mélange avec un zoo. Mais voilà pourquoi, quand on reconnaît le sien vers l'autre, eh bien, on va vers lui. Mamie, ne meurs jamais. Je t'en prie, Henri, je suis désolée là, mais je n'étais inscrit nulle part que c'était précisément aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la faim. Oh, à propos de faim, Janine, moi je vous dis que ça. Attends, papa, on va prendre la péritie d'abord. Eh bien, c'est toujours ça qui est les bochonneaux. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? C'est là? T'es sûr? Ben. Bien, mais que c'est charmant ici, chaleureux, convivial, accueillant même. Écoute, maman, louer une salle serait plus simple, voilà tout. Oui, bien sûr, plus simple. Bien sûr. Écoute, c'est pas compliqué. Henri, il est en retard sur ses articles. Il y a des dossiers, des papiers partout dans la maison. Il faut rien toucher, sinon c'est le drame. Tu comprends? Ah, mais je ne dis rien, non, je ne dis rien. Vous attendez sans doute beaucoup de monde. Non, que nous, pourquoi? Eh ben, ça va aller. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors vous, vous êtes des intimes, en somme. Enchanté. Puisque personne ne nous présente ici, je suis la belle-mère, oui, de cette espèce d'ours qui est mon genre. Oh, et puis enfonce-toi. Après tout, tu le mérites. Hein.
présente des amis, étrangères, qui ont débarqué aux journalières. Yeah. Oui, excuse-moi Anna, j'ai oublié de te prévenir, je les ai invités. Hein. Jouez le jeu, prenez un accent, n'importe lequel, ça mettra un peu d'ambiance au moins. Je crois que ça y est, Tina. Ce sont les présentations. Rien. C'est le paysagiste ? Paysagiste. Celui que tu dois appeler pour le jardin chinois. Hein ? Tu l'as pas appelé, c'est ça ? Y a rien, je te dis. Le chéri, dis-moi. C'est ton boulot, c'est ça ? Donc ils vont fermer à la baisse et... J'en étais sûre ! Tokyo ! Mais on est ici, pas à Tokyo ! On marie la fille de ton meilleur ami, ici. Et toi, tu me parles de Tokyo. Mais après, ce sera Paris, Londres, Berlin, New York, parce que la terre tourne et ça ne s'arrête jamais. Clôture d'un côté, ouverture de l'autre. Je te connais, là. Arrête de boire. J'arrêterai quand je voudrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te prends pour mon père? Calme-toi, tout le monde me regarde. Mais qui le voit, ce qu'ils ont fait de toi? Qui le voit, ce que tu es devenu? Alors, André, mais qu'est-ce qu'on te demande que tu ne puisses pas faire? Clôture, André, viens comme Tokyo, Londres et les autres. Clôture, juste un moment. Pas le temps. Le temps d'un verre entre amis, d'un rire, d'une danse, d'un... Tu ne me regardes plus, André. Si, je te regarde. Je ne suis... Non, tu crois que tu me regardes, mais tu te marres à toi-même. Je ne suis pour toi qu'une... Qu'est-ce que je suis pour toi? Ma femme. Ta femme, c'est-à-dire? Ma femme.
Ma femme, celle avec qui je vis. Mais tu ne vis pas avec moi, tu vis avec ton job, tu n'es jamais là. Toujours dans les avions, les réunions, les opérations, les acquisitions, les manipulations, les tractations, les contrats. T'as fini! Tu n'as plus rien d'humain, André. Tu cours après les heures, aboyant dans ton portable griffé à l'oreille. Mais qui es-tu? Un homme? Une putain de machine à faire du fric! Dis donc, t'es bien contente que je sois là, la machine? Parce que sinon, la garde-robe, les bijoux, le coupé sport, les traitements, les soins, les cures, les bains, les liftings, les peelings, les leçons de tennis, de qigong, de yoga, les safaris photo avec les copines, les croisières aux Seychelles, à Bali, aux Maldives, la villa de Saint-Tropez, on ne va jamais parce que tu trouves ça surfait, le studio Place des Vosges et la propriété de Lugano. Fini tout ça! Tu crois que tu vas m'avoir en me balançant tout ce que tu lâches? Tu crois que je n'ai pas compris depuis longtemps que tu achètes mon silence? Et qu'est-ce qu'elle peut bien me reprocher? Elle a tout ce qu'elle veut. Et toi, la conscience tranquille d'avoir fait soi-disant son devoir de mari protecteur, tu fais ce que tu veux, y compris te sauter des poufs de secrétaire sous couvert que c'est le repos du guerrier. Tu me fais gerber, stronzo di merde. Hé, Carla! Carla! Pour confirmer notre génocide. Ah, très drôle, papa. Alors, écoute, laisse-la voir si elle, en a envie. Ah, bon, bon. Dépêchons. T'as tout le temps, Maxime, t'as tout le temps. Moi, le pastis, ça me déshydrate, j'ai plus peur que l'éthiopienne. Allez, alors qui veut la prendre, cette photo? Je m'en charge. Mais non, pas vous, voyons le marié. La prochaine victime après moi. Mais papa, tu sais très bien qu'il n'aime pas être sur les photos. Oh, on se demande bien pourquoi. Je n'aime pas, c'est tout. Et qu'est-ce que vous aimez, au fond? Votre fille, entre autres, et cette fois-ci officiellement. Ne le cherche pas, papa, surtout pas aujourd'hui. Ah. Parce que c'est pas votre mariage aujourd'hui? Si, justement. Mais là, il est complètement perdu dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il a à écrire sur ces gens-là? Est-ce que je m'en mêle, moi, du tiers, du quart, du huitième du monde? On ne pourrait pas oublier le monde aujourd'hui. Oui, bon, c'est jour de liesse, un mariage. En fait, du moins, de mon temps, ça l'était. Eh oui, le bon vieux temps. Mais voyez-vous, aujourd'hui, juste aujourd'hui, Henri, ça tombe mal. Henri, je t'en supplie. Allez, calme-toi. Allez, fais un effort, mon chéri. Et puis, et vous là, venez, venez vous mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ça vous fait un souvenir. Je ne sais pas, faut se regrouper, je crois. Une photo? Mais... une collage? On fera semblant. Si on ne connaît pas les paroles. Luc! Pas grave, on fera semblant. Luc, tu viens, mon chéri? Putain, est-ce que c'est chiant, ces photos de merde. Luc, tu viens près de ta mère et tu te tais. Non, mais quelle éducation, Anna, station. Moi, ta mère, ça me révolte. C'est bon. Allez, viens, mon chéri. Non, je ne t'ai pas éduquée comme ça, ça, non, alors. Certainement pas. Allez. Et l'on sourit, Luc, on sourit, c'est jour de fête. Putain, la vieux, comme je te lave. Tu disais, Luc? Maman, c'est bon. Bon, alors, pressons, nom de chien. J'ai le gosier plus sec que le Sahara. Papa! Oh. Laisse, c'est tout à fait ça ton père, tu sais, Anna. Ah, et les deux, là, resserrez-vous un peu, là. Qu'est-ce qu'il dit, le marié? Approchez-vous de moi! Mais qu'est-ce qu'il dit, Lubri? Je ne sais pas, de se serrer, je crois. Serge, tu te relèves la tête, s'il te plaît, hein? Et les deux prêtres, là, rentrez dans le champ, quoi, c'est pas compliqué, non? Mais Henri, comment tu parles à tes amis? Voyons. C'est pas... T'inquiète, on se comprend. Voilà, l'idiote, c'est une photo. Bon, alors ça vient. C'est que vous êtes lent, mon pauvre garçon. Heureusement qu'il ne les fait pas lui-même, les photos de sa revue. Papa, reste calme. Henri, je t'en supplie. Fais un effort. Allez. Et la petite, là, elle vient pas sur la photo? Oui, bien sûr. Zita, Calami, elle vient sur la photo. Viens, Zita. Mais c'est la petite Carla. Elle est là pour les vacances. D'habitude, elle habite chez sa mère à Durin. Encore une qui parle pas français. Tu peux sourire, tu sais, c'est un honneur d'être sur la photo. Hé, pose-moi ces putains d'écouteurs, capito. Pas fin cool. Nom de chien, Henri, ça suffit, là. Voilà, c'est au point. Monsieur, vous pouvez vous pousser un peu? Parce que vous êtes dans le champ, là. C'est une photo de famille. Enfin, si on veut. Henri, mais qu'est-ce que tu fais? Je demande à M.
monsieur de bien vouloir se pousser. Je sais pas qui c'est, mais elle a l'air de vouloir être sur la photo. Henri, tu n'es pas drôle, tout le monde a fait. Je cherche pas à être drôle, je voudrais simplement qu'il s'en aille. Mais qui ça, bon sang? Vous voyez bien qu'il n'y a personne. C'est un ange. Il y en a partout en ce moment. C'est pire que des sauterelles. Oh, ne plaisantez pas avec ça, Henri. Un peu de respect, s'il vous plaît. Je vous savais farfelu, Henri, mais j'étais loin du compte. Vous êtes un peu... C'est entendu, je suis chef de service. Monsieur, vous voulez bien lever le bras, s'il vous plaît? Alors, vous ne le voyez pas, peut-être? Henri, ça suffit. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il y a quelque chose qui cloche derrière. Vivement que son cas se pointe, hein, parce qu'ils sont vraiment bizarres ici. Hein. Allez, mon vieux, prends vite cette photo, sinon il va y avoir plus qu'un rapprochement diplomatique entre l'Est et l'Ouest, si tu vois ce que je veux dire. Bon, d'accord. Bon, on bouge plus, on rit plus. Ah, quand même. Merci. Vous m'inquiétez, Henri. Vous devriez prendre un petit peu de repos, vous savez. Certainement, belle maman, j'en prendrai quand tout sera fini. Oh, mais qu'est-ce qu'il a encore aujourd'hui? C'était un peu long, mais très agréable, n'est-ce pas, Tina? Tina, elle ne boit jamais d'alcool. Désolé, pardon, vous voulez des cacahuètes? Bon, alors, ça donne quoi, c'est numérique? C'est bientôt affiché? Et ça demande encore 5 petites secondes de manipulation, ok? Est-ce que vous êtes empoté, mon pauvre garçon? Donnez-moi ça, voulez-vous? Mais mamie! Tu étais là? Mais oui. On a oublié mamie pour refaire la photo. Mamie. Oh, c'est pas très bien comme ça. Ah bon, moi je suis comme Henri, je n'aime pas beaucoup la photographie. Repousse le paravent, Christine. Et encore un peu plus fort, hein? Pourquoi donc? Mais pourquoi? Et pour moi, et pour pas faire? Mais tu as peur qu'on te vole ton âme? Oh, tu sais, la mamie, je ne te dis que ça. Il nous en fait voir, mais alors? Si tu savais. Ah, ça y est. Ah. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allons bon, qu'est-ce qui se passe encore, hein? Nom d'un chien. Fais quoi? Approche pas, Chrissy. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, mais allez. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Je vous assure, je ne comprends pas, je vous assure. Ah ben, moi si, hein. Oh. Une blague pareille le jour de son mariage, c'est un peu excessif. Hein. Je vous assure, c'est pas moi. C'est entendu, vous êtes dans l'engagé, comme on dit. La surpopulation, la faim dans le monde, l'écologie, tout le bazar. Mais il y a peut-être des façons un petit peu plus subtiles de nous le faire entendre, non? Je vous savais peut-être de plus en plus bizarre, Henri, vous savez. Enfin, désolé, moi, il m'en faut plus pour me faire perdre la vie. Si vous voyez la vie comme ça, mon garçon, eh bien, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Mais je vais vous dire une chose. Quand on a des idées noires, pareil, on ne se marie pas. Ah non, et en blanc surtout. Et autre chose, pendant que j'y suis, se réjouir, cher monsieur, se réjouir. Eh bien, oui, cela demande un effort. Parfaitement. C'est même un devoir, surtout en ce moment. Rire, chanter, s'amuser, se détendre. C'est du labeur, c'est du travail, c'est de l'abnégation. Ce n'est pas pour soi qu'on rit, qu'on chante, qu'on s'amuse. C'est pour les autres. Avec votre fichu pessimisme, égoïste, vous allez finir par nous gâcher cette journée. Cette journée déjà si horrible. Si c'est pour te venger de moi, parce que j'ai oublié quel jour nous sommes, je peux te dire que tu as réussi. Mais pas du tout, ma chérie, Anna, enfin. Je te savais pas aussi cruel, Henri. Ouh, eh bien, mon vieux, tu vas pas demain morte. C'est pas de mauvais goût, mais alors comme trucage, c'est super. Nous tous, là, sur la photo, remplacés par des squelettes debout, même attitude, même posture, waouh, comment tu fais? Et là, derrière, le seul mec vivant, c'est un grand type noir qui rigole de toutes ses dents. C'est ton âge gardien, c'est ça? Eh, ils ont raison, tes beaux-parents. Tu es un peu déprimé, c'est ancien. Remarque normale, quand on se marie. Alors, on le sable, ce champagne, oui ou non? Oui, c'est ça. Hé, hey, monsieur Tony, venez boire un coup, venez. Ah, merci bien, je suis en service. Ben, venez manger quelque chose, au moins, ça, vous avez le droit. Et vous, là, allez, venez, manger, c'est fait pour ça. Quoi qu'en pense Henri. Allez, Luc, s'il te plaît, ramène mamie, tu seras un ange. Ah non, hein, les anges dehors. Oh, Gaston. Henri, on vous attend, bon sang. Voilà, j'arrive.
approchons du concept de famille. Rictus significatif, contentement pincé. Mets-moi tes désirs de meurtre. Allez. Bon alors, rapidement. En tant que père et beau-père, je lève mon verre. Oh, ça arrive. Et je dis, vive les jeunes mariés. Papa. Oh ouais, avec le coup de 16 ans, tu vas pas tout la faire. Mes enfants, réjouissons-nous. Rire, tout simplement rire. Eh bien, c'est de l'ordre de la sainteté, hein, les amis. Parce que dans le reste du monde, oulala. Oh, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, encore? Oh, t'as pas compris ce que je te dis? Je comprends rien au français, man. C'est pas bon pour toi, l'alcool. Qu'est-ce qu'elle a, la mine? Elle est pas bonne. T'as quel âge? 15, 16 ans? T'es trop jeune pour picoler. Oh, qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ma télé, merde. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis à la petite que c'est pas bon pour elle, l'alcool. Oui, mais elle comprend pas. C'est pas difficile à comprendre. Il faut pas boire à son âge, c'est tout. Bien sûr, mais elle ne parle pas français. Elle est pas française. Non, elle est italienne. Alors là, elle parle italien. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, Blaireau? Il s'inquiète parce que tu bois de l'alcool. Ferait mieux de s'inquiéter pour toi, mémé. Tu m'as l'air chargée. Ne me parle pas comme ça, je déteste. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que ça va, que c'est la fête. Mais vous, vous parlez français, là? Français et italien. Vous êtes au courant? Pardon? Française ou italienne? Je suis italienne, mais je vis en France depuis longtemps. Moi, j'ai fait de l'anglais au collège. Mais c'est chiant. Dites, c'est vous qui vous occupez de la salle? Affirmatif, je fais tout ici. J'ouvre, je ferme, je contrôle, je nettoie, je répare. De la musique. On peut avoir de la musique? C'est prévu, la sono est là. De la musique pour danser, j'ai envie de danser! Vous avez appris quelque chose? Oh, il y a quelques CD que les gens ont oubliés, regardez si vous trouvez votre bonheur. Tout le monde sait que je suis une pagaille, hein? Qui tais-toi? C'est qui les autres? Loin en blanc, c'est peut-être ta mère, ça là? L'autre en div, c'est ton pater, c'est ça? Marrant les hommes. Parle pas. Ou alors trop d'un coup. Faut après tout jeter là. Dis bien mieux qu'antistèse. Bon alors, ce qu'on fout là? Dans ce bled pourri. Bon, t'es mieux, crétin et tout? Et alors? Alors dis. Quoi ça alors? Ben, ce qu'on fout là. On est là quoi? Oh, c'est sûr ça. Qui t'es toi d'abord? Qu'est-ce que t'as là? D'où tu viens? Qui t'es-tu et qu'est-ce que t'as là? Tu regardes? Pouah! Bon alors, c'est qui eux? T'es vieux ça peut-être? Comment tu t'appelles? J'ai pas compris. Comme je veux. Regarde, en ce moment, Mara, je m'appelle. Parce que cactus, y a pas. Tu l'es pour sûr. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, ça fait. Juste rien, ça fait. T'as une voiture, toi, peut-être bien. Celle d'un vieux. Bon, et tu cours. Ben, tu conduis, et moi, je monte, et tu m'emmènes. Et où ça, peut-être? Ben, on verra. Loin du caca, en tout cas. Et puis quoi? Et puis quoi? T'es peut-être idiot. Si tu fais rien, tu peux faire ça. Et puis quoi, peut-être? Et puis quoi, peut-être? Tu prends la tire et tu verras. Et pourquoi je le ferai? Oh la madone! T'es une page blanche ou quoi? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? T'as juste poussé comme ça, et puis c'est marre. Et marre quoi? Juste arrosé, sans plus. Ça fout la trouille. Ça va, suffit. Ça va, suffit, merci bien. Suffit, oui? Tu dis suffit et suffit quoi? Tu dis suffit et ça te suffit? T'es quoi, ça, là? En cérémonie, peut-être? Je te dis suffit, ça va comme ça! Merci bien, ferait mieux de rien dire. Mais enfin, André, vous pouvez pas dire ça, vous avez vu la situation internationale! Oh, la situation internationale, la situation internationale, qu'est-ce qu'elle a la situation internationale? Elle est plus située? Ah non, pas de politique aujourd'hui, hein? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la situation internationale? Vous pouvez me le dire, vous, non? Hein? Non, mais sans blague. Tu m'emmènes? C'est le meilleur truc que tu peux faire. Bah si tu le dis. N'importe qui dirait. L'ennui c'est qu'il n'y a personne. Y a moi peut-être bien, tu pourrais croire. Eh ben justement. Ben justement oui. Je crois pas trop non. Je me demande à ce que tu crois toi ça là-bas. Et alors? Alors y a un bloc de plâtre et merci bien quand ça pleuvra. Oh, ça fait longtemps que t'as pas parlé toi. Tu prends la tire et tu verras. Tu verras bien que j'ai raison. C'est quoi qui te retient? Ici même. Ici même, faut être cinglé. C'est juste mieux quand même dehors. Dis-moi que tu sais. Ben oui, je sais. T'as juste à trouver.
c'est tout. Et de quoi peut-être? Et de quoi peut-être, trois fois certaines. Ouais, j'ai mes raisons. Des raisons doubles, les tiennes peut-être. Oh, c'est fou, pour une voiture, tu ferais n'importe quoi, toi. Qu'est-ce que je ferais? N'importe quoi. Dis quoi? N'importe quoi? Quoi? T'as qu'à me le dire. Je le dis. Ah bon? C'est ça. Quoi, ça, c'est ça? Bien sûr. Pour une voiture, je le ferais. Quoi, ça? Ben, ce que t'as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? N'importe quoi, quoi. Quoi? Ce que t'as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? N'importe quoi, quoi. Exactement. Oh, Seigneur Dieu. Qu'est-ce que t'as à rire? Qu'est-ce que t'as à rire? T'es trop du cul, toi, ça, vraiment. T'es qu'est-ce... tout coincé. Qu'est-ce que t'as? T'es malade, oui. C'est peut-être le premier rire que tu vois, peut-être bien. N'importe quoi. Tu recommences. Ça va, ça va. Arrête. Arrête, je vais tout lâcher. T'arrêtes. Ça fait trop mal. Bon, maintenant t'arrêtes. Arrête, arrête. T'arrêtes maintenant. Maman. Je te dis, ça suffit. Arrête, arrête. Bon, t'arrêtes maintenant. Tu me lâches tout de suite. Non, je te lâche pas. Tu me lâches tout de suite, tu me touches pas. Alors t'arrêtes. Tu me lâches tout de suite. Alors t'arrêtes. Tu me lâches. Voilà, c'est bon, t'arrêtes de casser. Tu meurs. Ça va, compris. T'as qu'à pas rire. T'as qu'à pas rire. Tu veux que je pleure? Je veux rien, c'est tout. Ah, ça, c'est sûr, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Le rien pour toi, c'est le grand merci. T'es posé là comme un carreau. Tu veux que je froide pour faire briller? Ouais, ça va, c'est ça. T'as qu'à rire. Quand je veux, je vais. Pas avant. Ouais, y'a un problème avec lui? T'occupe. Super. Je te Tony. Je bien coca, mais. Je sais, vous êtes en service. Formidable, hein. Vous avez dans l'ordre. Émulsifiants, des stabilisants, des gélifiants, des épaississants, de l'antimotant. Quant à savoir où est le pâté, ça, ma cage qu'on redit chez vous, hein. De notre temps, c'était autre chose, hein, Gaston. Voilà, et comment? Potage d'écrevisse, huîtres, timbale financière, langouste de Bellevue, gigot d'année de chevreuil mariné, purée de marron. Teint de truffes. Servi par 10 serveurs et un sommelier avec dans l'ordre Porto, Frontignan, Sauterne, Pomarléville, Pommery Grenot. Et tout ça, c'était en sortir de la guerre. Qu'est-ce qu'il raconte encore, ces deux-là? Ah, j'en sais rien, mon l'air à thème, pour sûr. Et ce n'était que le dîner, oh, oui. Parce qu'à midi. Eh oh, oui, oh, mais ça, c'était un autre temps. Oh. Oui. Vous devriez vous débarrasser et profiter du buffet, ça serait. Sophia, Sophia Selma, vous plaît. Sophia, mais je voulais juste que vous puissiez. Oh, j'ai un bon savon. Curieux, elle croit que c'est pour elle, peut-être. Curieux d'apporter des cadeaux et de ne pas les offrir. Serge, s'il te plaît. Serge. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis dans une phrase d'approche tout ce qu'a dit de Mika. Alors, hein? Serge, tu l'as pas vu, c'est sûr. Mais qui ça? Le type derrière. Tu remets pas ça, s'il te plaît. Tu l'as pas vu, c'est sûr, tu te fiches pas de moi. Écoute-moi bien. Je ne suis pas certain que fêter vos 15 ans de jambes en l'air par un mariage en blanc ne t'ait pas foutu un sacré coup de vie. Parce que franchement, t'as l'air d'avoir sacrément morflé. T'as perdu tes repères, c'est ça? Tu ne sais plus où tu es? Les normes européennes t'ont esquinté? La mondialisation t'a démoli? Et ce mariage t'a achevé? Parce que franchement, crois-moi, il y a du dégât. Tiens, putain. Bon Dieu, que c'est compliqué de manger comme ça. Tiens, tiens-moi ça. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Tu ferais mieux de te la mettre au vert, parce que plus blanc, ça va pas du tout, hein. Serge, le type derrière, je l'ai vu. Le grand noir, je te dis, je l'ai vu. D'accord. Écoute-moi, tu sais de quoi tu souffres? De l'invasion du géopolitique dans le privé. Et ça, ça mène à rien, ça mène à la déprime. J'ai pas bougé de là, je t'écoutais. Mais t'étais plus là, disparu tout d'un coup. Je te dis que j'ai pas bougé de là, je t'écoutais. Excuse-moi.
moi, j'ai dû avoir un blanc, ou alors... Ou alors c'est toi qui t'atomises à ton insu, sacré farceur. Bon, où est-ce que j'allais dire déjà? Ah oui, écoute-moi bien. J'ai rencontré un jour un mec bien dépressif. Il m'a raconté comment ça se passait une vraie crise. Alors écoute-moi bien. Il la sent venir depuis des semaines et il ne peut rien faire. Il se sent seulement devenir de plus en plus transparent. Et là, tout d'un coup, tac, ça lui tombe dessus. Une masse énorme sur le crâne qui lui fait péter.